Ah bah non, pas oups. On dit pas oups pour commencer, on dit bonsoir YouTube. Ah pardon, bonsoir YouTube. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tous YouTube. Tous YouTube, d'accord. Bon, c'est The Demonologist YouTube à 4 avec un nouveau joueur, Cobra. Il va faire le bisu ce soir. Yes. Et il s'est déjà mis dans le mood du reste du groupe, c'est-à-dire que Cobra, il start, il est à poil. Alors... Est-ce que je me comporte comme d'habitude aussi avec Cobra ou... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va spawn littéralement le cul à l'air ici? Libérer des démons. Ah, elle comme d'hab quoi. Ouais mais non mais voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis spawn le cul à l'air, c'est qu'il y a littéralement des gens qui arrivent le fiac vraiment quoi dans le plus simple. Tu suis à poil dans... Non c'est bang tu vas c'est bang tu vas bien tu c'est bang. Je veux dire déjà que je suis en petite culotte si je suis à walper maintenant putain. Alors comment tu peux prendre une lampe de poche? Tu peux prendre la lampe de poche qui est là devant moi là sur le mur. Voilà, puis après tu peux prendre ce que tu veux. Ça le c'est le crucifix te permet de survivre si tu l'as dans les mains lors d'une alors... attaque. Les copains, la lampe de poche, on est obligé de la garder dans la main? Non, c'est comme Surface Mo. Oh, trop bien. Ok. Et là. Le crucifix permet de survivre à l'attaque, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça permet de tanker une attaque. Tu dans tes mains, faut bien le tenir dans tes mains, tu peux survivre à l'attaque. Allez hop. Ça va être chaud patate. Là, et là, tu as ça, et ça c'est le. Là, le truc circulaire, là, c'est le capteur dots. D'accord. Et bien après, là, t'as les pilules de zinzin. T'as les traces de d'ectofoutre là, voilà. Le démonologiste là. Et puis le thermomètre. Ok. Et les attaques, c'est comme Phasmo ou il y a un certain temps avant que ça attaque ou Ah, tu vas voir que c'est un peu plus vicelard. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Alors, effectivement, tu peux prendre 3 objets. Prends 3 objets. Je te filerai le lien Ghost. T'as le crucifié, la lampe. Bah, je peux pas, attends. Filerai. Ah si, je peux prendre. Si tu peux. Moi j'ai pris quoi ce truc? C'est le projecteur dots. Je vous filerai le lien si vous l'avez pas. D'accord. En fait, tu le mets à terre et si tu vois faire le fantôme faire une petite pause dessus, c'est une preuve. Alors, il y a une petite particularité d'accord. Par rapport à Phasmo, c'est que l'entité qu'on va chasser dans la maison, si on réussit les missions principales et secondaires, on pourra avoir une ultime mission qui va consister à l'exorciser. Ouais. Oh, trop stylé! Et tout est marqué là. Là, regarde, elles sont là. Là, au début, là. Il va falloir que l'on voit. Donc, on cherche Philippe Cox. Et il nous parlera même si quelqu'un est à côté de nous. Donc, ça, c'est OK. Philippe Cox. Et puis là, du coup, après, tu vois, on aura des objectifs facultatifs. Donc, trouver la silhouette humaine assise à l'aide d'un verre d'ectofoutre. Donc, tu vois, qu'on a de côté. Ectofoutre. Faudra prendre une bonne photo du fantôme et ramasser des sacs de sel. Et si on réussit ça, sans crever. Et ben on pourra ensuite exorciser le ghost et ça ce sera une quête additionnelle. Tu vois il y aura 5 doigts qui vont être dans la maison. Il faudra qu'on trouve les 5 doigts. Et comment on fait le type de fantôme que c'est? Et ben c'est pas un livre un truc. Et ben c'est de la même manière que Phasmo, c'est un travail d'enquête avec des indices qui vont nous permettre de déterminer appuie sur tab. Avec Cobra qui connaît pas le jeu donc ça fonctionne pas. Appuie sur J, appuie sur J. On va foutre la merde. Ouais. Ah ouais, d'accord. J, tu vois ta preuve? Moi, je suis de retour. Et donc voilà, t'as tous les types de fantômes. Et petit détail aussi, pour la spirit box, tu as l'info si tu peux être tout seul ou à plusieurs. Pour les films, je peux vous filer du coup. Là en l'occurrence, il répond à côté de tout le monde. Mais n'hésitez pas aussi. Et tu vas voir que du coup, c'est un petit peu différent les interactions avec les fantômes parce que moi j'ai la spirit box dans les mains, donc classiquement il va pouvoir me parler. Mais des fois, il va se mettre à parler comme ça à tout le monde. Il va interagir avec le décor, il va te jeter des trucs à la gueule. Comment le mec? Philippe Cox. Je sais pas quoi. Philippe Cox. Ok. Et tu vas voir qu'il va interagir avec le décor, il va te jeter des trucs à la gueule. Des fois, il va faire des apparitions devant toi, il va déclencher des fausses chasses. Et comment on pose le truc? Tu le poses, tu jettes. Touche lâcher objet. Elle m'a fait peur. Ah, d'accord, ok. C'est jeter l'objet, c'est ça? Ouais, j'ai, je crois, de base. Merde, fuck. Okay. Je me dis que j'allais passer de l'autre côté du mur, Osef du frangin. Allez hop, c'est parti. Sandra Smith. Pardon. T'as raison. Viens chez nous, là. Philippe, je sais où tu te caches. De toute façon, il va mourir en premier, lui, dans la game. Ta gueule. Est-ce que je vais en faire mon objet? Attends, Cobra. Petite particularité de certains fantômes. On peut leur parler, donc certains réagissent en français et d'autres en anglais. Ça dépend, faut tester les deux. Ah oui. Mais surtout, il y en a certains. Si jamais tu te mets à insulter leur daronne sur 20 générations, c'est attaque instantanée. Et ils en ont cœur près ta gueule. Est-ce que je fais encule ta mère? Ouais. Voilà, exactement. Alors par contre, j'annonce, moi je suis le maître de la planche à Ouija. S'il y a une planche à Ouija, vous me dites et je m'en sers. Non, Spirit Box. Spirit Box. Elle parle. Il parle dans la Spirit Box, il me parle. Allô?
de s'énerver. Alors, je viens de dire indice Spirit Box, il vient de me parler. Ah, indice. Qui fait ce qu'on dit. Attends. Ah, je fais tout flou. J'ai pas dit Spirit Box. Cobra. Cobra, mais il est déjà à l'étage, ce con. Non, il est là. Cobra, allô, indice, Spirit Box. Il m'a parlé dans la Spirit Box. Ah, d'accord. Oh merde, ça le fait au-dessus. Au-dessus du cœur. Non, arrêtez-vous. Vous êtes vraiment des merdes. Vous êtes des ordures. Vous êtes vraiment des ordures. Ah. Ça va, ça a rien fait. Cobra, pour ton information, sache que ma frangine a une poupée vaudou dans les mains et si tu te rappelles de Phasmophobia, au secours. Elle l'a déjà activé. Je vais tous vous bouffer. On m'a chuchoté à l'oreille des choses. Ouais, mais je crois que c'est pas aussi parce que j'ai vu fou. Oh. Attends, c'était quoi ça? La statue. Oh, ouais. La statue à la twerk. La statue qui a twerk. Attends, j'ai le cafard. Attends, il est où le cafard? Cafard! Putain, j'arrive pas à le prendre. Cafard, je suis coincé. Allez, tu vas y arriver. Cafard. Tu vas y arriver. Là, j'ai deux. Reprends le projecteur, comment? Reprends le projecteur. J'ai plus rien. J'ai la température qui remonte. On l'a perdu. Je pose ça où? Fais quelque chose. Garde-le avec toi pour l'instant, garde-le avec toi. Putain, y'a pas la planche. Philippe, manifeste-toi. Philippe Coche. Tout ça ping. Philippe, I love you. La cave. La cave. On va le laisser découvrir. Philippe Coq. Coq. Non mais c'est... Philippe Bébou. T'es là? Philippe Bébou. T'es beau. Philippe, do you speak English? Ah. J'ai la température qui baisse très fort là. Alors Cobra, ouais, est-ce que tu es au milieu de la pièce là? Derrière toi. C'est ici qu'on devra faire l'exorcisme. Non mais il m'écoute pas hein. C'est terrible. Bah démerde-toi, voilà, tu me casses les couilles, démerde-toi. Tiens, regarde. Au pire, tu sais quoi, si t'écoutes pas, regarde, tu vas finir comme lui là. Ah. T'as vu? Voilà. Attends, je peux réutiliser la poupée. Attends, tu m'expliquais quoi? Que ce qu'il y a au milieu, c'est là où on devra faire l'exorcisme. Putain. Ah, si on arrive jusqu'à cette étape. Hip, on va t'exorciser la gueule. Eh, c'est ici qu'il y a le secret avec les murs là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Putain, on va se faire attaquer cette bande de... Ah vas-y, on les laisse dans leur bail là. Non, ça a touché l'épaule. Attends, on peut ouvrir les... Non, on peut pas ouvrir les casiers, non. Ah non, par contre, oui, pour se cacher, meilleur strat, c'est coin d'une pièce, tu t'accroupis et tu éteins ta torche. Je veux mon... J'arrive pas à avoir mon putain de cafard, voilà, c'est bon. Ah, la lumière était allumée en haut. Ah bon? Philippe? Ouais. Philippe? Apparemment, tu veux pas te cacher. Attends, j'ai 3, 2, 3, c'est par où? Merde, attends, j'avais 3 là. Coq, manifeste. C'est Cox, pas Coq. Cox. Cox. Philippe Cox, prends cette bouteille. Philippe Cox, prends la bouteille. Ouais, c'est quoi ce bordel? Philippe Cox, ferme la porte. Bon, la température. Voilà, oh ouais, bon genre. Cox, éteins la télé. Non, mais je crois qu'il est encore trop. Attends, il faisait 30 degrés là. Il fait plus de 30 degrés. J'ai le mercure rouge. Mais attends, mais il faisait 10 degrés dans la cave. Il faisait 10 degrés dans la cave, il faisait 30 ici. C'est quoi ce bordel? Il y a 20 degrés d'écart. OMG. C'est ta mère. Philippe, je sais où tu te caches. Fais quelque chose, Philippe. Philippe Ounet. Et Fifou. Mais attends, il répond quand on est. C'est cette pièce pour moi. Tous ensemble. Allo Fifou. Allo Fifou. Tu veux qu'on le voie, Philippe? Vous voulez qu'on le voie, Philippe? Philippe, je sais où tu te caches. Oh putain! Eh, arrêtez vos conneries avec cette putain de poupée vaudou de merde! C'est pas vrai. Eh, pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Ouais, c'est pas bon, le cœur. Hein. Non, mais on est censé quand même aller jusqu'à l'exorcisme. Ça serait... C'est vous qui l'avez allumé? Je sais pas, non, moi j'ai rien touché. Cette Philippe! Cette pièce-là. Ah oui, par contre, si le fond. Il allume les pièces. Il allume les pièces. C'est joue avec les lumières. C'est moi qui ai allumé dans la. C'est moi. Ah bah. C'est moi qui ai allumé. C'est moi qui ai allumé dans la cuisine. Alors. Dans la cuisine, c'est moi qui ai allumé. Alors, s'il en a marre qu'on joue avec les lumières, il va péter les ampoules. Voilà, tu vois. Oh ta merde là. Ah, c'était quoi ça? C'était quoi ce bruit de merde? J'ai trop peur.
Non, quelqu'un allume la lumière. J'ai deux. Il fait joujou avec les lumières. Attends, j'ai deux. Oh, oh mais merde. Sur le truc. Ouais, okay, il a... bah, c'est une preuve. Ouais, c'est une preuve. Ton projecteur Dots l'a capté. Il a fait quoi? Philippe. Il a typo sur le truc. Va te faire foutre. Donc c'est quoi comme preuve? Je vais chercher l'ectofoutre, j'arrive. C'est quoi comme preuve du coup là qu'on a? Preuve saloperie. C'est ça va être quoi lui du coup? Ça va être bah ses réactions du fantôme ESG. C'est quoi la dernière preuve qu'il nous faut? C'est ça? Réaction du fantôme ESG, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est ça. Ouais. Tiens, comment? Non, tiens, j'ai rien, tiens, si t'as envie de lui causer un peu. Tâche d'ectoplasme. Bah non, du coup, ouais, c'est ESG quoi. Alors Philippe, ouais, c'est je ça. Sais où t'habites. Montre-toi attends, tout de suite. Il a dit ectofoutre. Oui, 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 c'est ectofoutre, oui. Ce sera toujours ça, hein. Enfin, à vous y habituer. Bon. Okay, bah, je suis parti chercher l'ectofoutre. J'ai l'ectofoutre 2000. Ectofoutre 2000. Ectofoutre 2000. Philippe ah. Ouais, ah, c'est moi, c'est moi. Laisse éteint. Laisse éteint. Montre ta face, please. Il y a d'autres objets pour vérifier s'il y a le fantôme ou pas. Il y a une lampe dans le camion. Je vais aller en récupérer. Il reste rien. Non, normalement, on a tout pris. Hein. Il y a une lampe UV là par terre si tu veux. Je suis en train de voir. Et il faut trouver des empreintes, c'est ça? Ouais. Ouais, s'il y en a, ouais. Je ne vois rien avec tout foutre. Attendez, je regarde un petit peu les indices qui nous restent. Attendez. Il a touché la statue tout à l'heure. Il a touché la lampe. Philippe! Il a touché des enfants, hein, quoi. On est d'accord que pour l'instant il n'a pas interagi avec son environnement, il a rien lancé. On a pris le chevalet. J'ai deux là. Il a pas interagi avec l'environnement pour l'instant, il a rien fait de ce côté là. Est-ce que t'es youtubeur? Est-ce qu'on a pris le chevalet avec nous? Mais putain, vous allez me répondre oui. Je sais pas. Il a pas lancé d'objet, il a pas joué avec les objets du décor pour l'instant. Non, pas vraiment. Non. Ah putain. Non, j'ai entendu un vase tomber. Et c'est que je te bute enculé. Mais juste petite question, est-ce que quelqu'un a le chevalet? Non. Putain, on l'a pas le chevalet. Non, on n'a pas pris le chevalet. J'arrive, je vais le chercher. Il est dans le camion. Est-ce que ça peut pas être température passée? Ah putain, à tous les coups, là je suis en train de regarder les preuves qui nous restent, ça doit être un Iblis. Iblis est connu pour être un type de fantôme capable de sentir et de voir où se trouve sa proie, même à distance. Si vous êtes suffisamment proche de l'Iblis, vous pourrez l'entendre prononcer des mots que les autres fantômes ne prononcent pas. Bah je sais pas, il m'a pas parlé perso. Ouais bah moi, il nous a bien interagi devant la gueule. Hein. Ouais, mais il a pas parlé. S'il décide de chasser, faut de le provoquer avec la poupée. Hein. Pour information, s'il décide de chasser, il peut être impossible de s'échapper car il connaît votre position. Donc s'il chasse, on est mort. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ça peut pas être température glaciale. Hein. J'ai essayé de regarder Poltergeist. Ah, Poltergeist. J'ai pas dit MF non plus. Hein. Alors, il a joué avec un fauteuil face à moi. Il bouge des objets. Oh putain. Oh putain, il vient. C'est quoi ça? Alors, il a pris un fauteuil, il l'a balancé dans le couloir. J'ai deux là. C'est un poltergeist. C'est une preuve ou pas? C'est un poltergeist. C'est le fait qu'il balance un fauteuil. Les poltergeist jouent avec le décor. Donc ça peut être un poltergeist. J'ai trois. Ah, il a pris. En tout cas, il a pris un fauteuil, il l'a fait passer devant moi, ouais, et il l'a fait rentrer dans une salle. Ils le font tous ça après. Hein. Ah. Le problème c'est qu'après. Je peux monter au-delà de 3. Regardez, c'est par où le camion? Pour info, le boogie et le guipo, il y a aucun indice sur eux dans le book. Donc on peut pas savoir. On peut rien savoir. Ah merde. Donc c'est soit un poltergeist, soit un Iblis, mais l'Iblis, voilà, l'interaction qu'on a eu avec lui tout à l'heure, bizarre quoi. Philippe, are you friendly? Avec le bon accent français. Quoi, les personnages sont à moitié à poil? Je sais pas. Ils sont dans un mood. J'ai chaud. Ils sont dans un mood, ils sont déjà tout transpirants et tout luisant. Mais comme ça il peut pas les attraper, vu qu'on lui. Il joue avec... tout Il joue avec les tiroirs là. Et il joue avec mes ovaires aussi, ouais. Hein? Allô? Comment? Quoi? Hein? Attendez, c'est quoi là? C'est où la salle? Il y a le paranormal? Bah, on sait. C'est pas. Bah, techniquement, le moment où on a eu l'interaction. Il balade. C'est là où on l'a eu, hein, l'interaction. Hein. Mais. Ouais, mais moi j'ai mon truc, il clignote en fait dans toute la pièce. Là, ici. On n'a pas. Couloir. T'as été à l'étage? Non. On va aller voir. J'ai allumé une bougie. Philippe, where are you? Where are you now? Vive le slibar, yes. Le slibar. Je viens de perdre 10 degrés, regarde, je viens de perdre 10 degrés, rien. Oh. J'ai 4. Ici, en haut, salle de bain, les gars. Salle de bain. J'ai 4. Il est en haut, en fait, il est pas en bas. J'ai moins de 10 degrés, là. C'est là où j'ai la température la plus là, basse. J'ai 4.
Ah mais c'est là, c'est pas possible, c'est là. Non, c'est la salle de bain. Je suis à 5 degrés, 5 degrés salle de bain. Ouais mais ça peut pas être température glaciale hein, au cas où. Ouais, faut que ce soit négatif pour que ce soit température glaciale, non? J'ai la température qui ouais, fait... Ouais mais de toute façon, les profs sont pas possibles. Ah merde. Oh, il m'a... Mais c'est là, il m'a fait du bruit dans les oreilles. J'ai 4 ici là, donc c'est là hein. C'est pas en bas. Ouais en mais fait. C'est pas EMF 5 quoi, du coup, ça matche pas. Attendez, je... Non mais bon. J'arrive. Hey Super Geek. Geek est là en PlayStation, ça me fume, même le fantôme l'écoute plus que. Ah bah ouais, t'inquiète, il est très très attentif à ce que je dis. Cet enculé de sa race. Philippe, fuck you. Alors par contre, je sais pas s'il parle à la Spirit Box parce que c'est Cobra qui s'est barré avec. De quoi? Il a balancé par terre. S'il parle? Comment ça, quelle ordure? Il a balancé la Spirit Box. Ah merde. J'ai rien à foutre de ce qu'il disait. Mais elle est où? On a perdu la Spirit Box. Mais quelle énorme ordure. Il est où? Elle est où? Mais la Spirit Box, la Spirit Box, elle est en bas, elle est en bas. La Spirit Box, c'est un très bon indice de savoir s'il compte nous la mettre à l'envers ou pas. J'en ai rien à foutre. Non. Tu l'as mis où la Spirit Box? Pas. Putain, mais elle est où? Mais où est-ce qu'il l'a foré, cet idiot? Entre la cuisine et. Ah, c'est bon, j'ai. Oh le bordel! Bibou, ne me quitte plus. Ouais, ne me quitte plus jamais! T'as pas changé la catégorie du stream. Ah, c'est con ça, hein? Philippe, oh Philippe, tu fais pas le con, change la catégorie du stream. Bon, j'ai allumé. Oh, attends, je dois éteindre la bougie ou je dois l'allumer en fait? La fourrée dans le cul, t'as fourré dans le cul. Ah bah non. Attends. Tu dois attendre, éclaire-toi les fondements, essaie de t'éclairer les fondements avec. Philippe, tu veux, toi aussi tu veux qu'on t'éclaire les fondements à la bougie? Sandra Smith. Hein? Ah. Sandra. Tu es là? Philippe, bouge le chapeau. Philippe, bouge le chapeau. Philippe. Mais ferme ta gueule! Ah, c'est parti de chiasse. Je vais me faire un café, moi. Philippe! C'est quoi le fantôme? On sait pas. Philippe, je sais où tu te caches. Et vous... De toute manière, on le voit arriver si il nous attaque. Ah oui, par contre, c'est la différence par rapport à Phasmo, c'est qu'on le voit arriver. On n'a pas besoin d'être sous forme spectrale pour le voir. Après, il clignote quand même, hein. Donc on le voit, mais... Ah, et d'ailleurs, tu vas voir si jamais tu assistes à une scène de mort, tu vas voir que c'est pas comme dans Phasmo. Oui. C'est... Ouais, c'est sympa, la scène de mort. Oui. On est pied. Bon, Philippe. Ah, mais là, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien. Ah, Spirit Box, il parle. Philippe, allume chute, l'eau. Chute. Putain, tu fais... Répète, connard. Répète. Philippe. Arrête, t'as chuchoté. Écoute. Que quelqu'un me refoute au frigo. Mais non, mais faites pas... Putain, mais... Il a dit I'm never. Hey. J'ai deux, là. J'ai deux, trois, quatre. Ouh là là. Ah, il joue quatre. Avec la... Il faut... Ouvre, c'est là. Ouvre le tiroir, ouvre. On peut pas ouvrir. Chier. Ah, j'ai la température qui vient de bien descendre. Mais il est là. En fait, c'est par rapport au placard, là. Il est là, hein. Ah, mais le problème, c'est que là, par rapport aux indices dont on dispose, avec les preuves qui nous restent, on... Un Iblis... Mais non, mais... Ta sœur. Un Iblis... Ah bon, dans la salle de la robe, elle m'a fait trop flipper. Un Iblis, c'est un dessin de toile sur chevalet, donc on peut pas savoir. Quoi? Quoi? Mais j'ai eu tout flou, il y a eu des violons, là. Mais il s'est passé quoi? Des violons? Ouais, ça fait... Hein? Je suis en train de boire mon café là, Sandek. Bon, Cobra, ça veut dire qu'elle va être la première à crever. Ouais, bah je m'en fous, j'ai la poupée, on va tout scanner. Oui. Attends, Poltergeist, ça me paraît bizarre, un boogie. Mais boogie et Gwipon, on n'a pas d'infos sur eux, on sait pas. Un boogie? Pas de boogie. Pas de boogie boogie, on devrait en prière le soir. Alors, attends, il y avait pas de. On a pensé la même chose. Eh, l'ectofoutre là, le détecteur à traces d'ectofoutre, il est dans le coin là? Philippe, fuck you! T'as scanné la salle de bain? Oui, y'a rien. J'ai scanné et en fait, elle a pop dans la salle du. De
de la robe, elle m'a fait trop peur. Refais-nous le son avec ta tête là, avec la tête là. Quel son là, le boogie boogie ou le yi? Ah, chut. Chut. Ah, apparemment, je crois qu'il veut que j'arrête de lui parler. Il attaque. Il attaque. Il est là. Putain. Oh, je suis dead. C'est qui a cané? C'est moi, je t'ai sauvé. Attends, non mais y'en a qui est mort là. Non, je t'ai sauvé avec. Non, le crucifix. Écoute. Alors, chut. Il est passé chut. Devant moi. Hey, tu te fous de ma gueule? Voilà. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais là il était pas content là. C'est moi qui l'a visé là par rapport au violon et au flou que j'ai. C'est fort possible parce que moi je suis passé devant, en fait je l'ai vu en haut des escaliers. Il était sur nous. Ah bon? En fait quand tu sors de la salle de bain, tu sors à droite tout de suite et t'as un couloir direct là. Ouais. Bah en fait il était à droite dans le couloir. Il était oh, là, je l'ai vu. Oh, bâtard. Et en fait il nous attendait en embuscade en haut des escaliers cet enfoiré. Et moi il m'a pas non tout. Je suis passé à côté, il m'a rien fait. Oh le petit FDP. En quoi il me visait moi en fait? Parce que moi j'avais une vision floue quand j'ai descendu l'escalier. Ah bah toi il était en train de te shooter un petit air de crin-crin, t'étais... Ouais, t'es... Bah en même temps tu fais la conne avec sa putain de poupée depuis le début de la game. À un moment donné tu t'attendais à quoi? Vive la poupée vaudou. Pas possible. Hein? C'est toujours pas quel type de fantôme c'est. Niveau santé mentale on est pas bien. Ah bah surtout moi je pense non. Nous deux ouais. Oh. Pourquoi ça m'étonne pas? Voilà, les deux. C'est moi qui vais très bien en fait, alors que je lui ai ses grands morts. Mais parce qu'il est pas moi, sensible à ton charme. Du coup, je joue avec la poupée là. Bah, c'est normal, c'est que du coup, je l'ai provoqué. Non, mais je pense qu'il est sado, hein. C'est juste un fantôme. Ouais, sado. Prend une petite pilule. Hein. En fait, il veut juste mon cul, hein, parce que je suis un slibard, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Hein. Ah, bon, le trophée en donc, hein. Donc, ce n'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit un Iblis. C'est pas un poltergeist. Du coup, on a quoi, là? Il va rester Guipo ou Boogie, mais le problème c'est qu'on a aucune info sur les deux. Le Guipo est censé nous mettre des traces d'ectofoutre. Alors que le Boogie est censé nous mettre un EMF niveau 5. Et bah on a aucun des deux. Bah l'Iblis est censé nous mettre un dessin de toile sur chevalet, mais on peut pas vérifier, on n'a pas la toile. Ah, mais si on a la toile. La toile. Mais regarde, elle est là. Mais oui, et ben faut aller. Mais faut la mettre. Mais faut aller la mettre. Oh là là, l'équipe. Oh là là. Mais... C'est toi qui étais dans le camion, hein, je te rappelle. Mais bordel la queue, c'est pas vrai. C'est toi qui as été voir le camion. Hein. Ah tenez, démerdez-vous avec votre thermomètre à la con. Moi je prends la caméra. Hein. Ah. Il est parti comment? Attends, je l'ai ou pas? Tu peux pas la déclencher en dehors de la maison. Ah, m'en fous, j'y vais! Hein? Ah, c'est le fantôme de Kemessin, c'est pour ça qu'il attaque Geek en premier. Ah, ça a se demander, ouais. J'ai posé la toile. Tu l'as posé où? Bah, dans la salle de bain. D'accord, ok, bien vu. Il a pas trop envie de dessiner hein. Non mais il dessinera pas forcément notre présence. Faut laisser. Parfois faut même sortir de la maison. Ok, je te laisse travailler ton art. Tu ferais bien de te speeder parce qu'il est pas content là. Maintenant Cobra le crucifie hein, au cas où. Il faut qu'il se mette devant nous pour nous protéger. Ouais mais c'est... Ah oui Cobra, si jamais tu te fais attaquer, dégaine crucifie hein. On sortait de la maison, il a posé la toile, on va voir. Mais on a pas posé la caméra là pour l'instant. Non. J'y étais parti moi. Sortez de la maison. Voilà. J'ai posé la toile, hein. Je sais pas ce qu'il va en foutre. Et ben on va aller voir. Paint. Non mais on peut y retourner là. On peut aller voir dans la salle de bain hein, si vraiment il doit peindre. Là il a déjà peint. Hein. Et on a mis une caméra. Ouais, une coloscopie ouais. Ouais, bien profond hein, bien sûr. Non, c'est pas drôle. Bah, regarde, change la caméra. Putain mais on en a pas. Bon. J'en ai une dans les mains. Je vais me battre contre Philippe. Et j'arrive pas à le... Non ça marche pas. Mais pas de Wayman. Et celle dehors. Y'a pas... J'arrive pas à cliquer, ça marche pas. Bah là je te vois dehors, ouais. Voilà. Ah si c'est bon, ça marche. Caméra embarquée. En immersion. Cobra. Yes. Vas-y on reste comme ça, on regarde la caméra. Cobra, fumier, je sais où tu te caches. Il est où lui? Il a pas dessiné sur cette toile de con hein. Ah.
Bah, je suis à l'étage en fait, il a pas dessiné. Il a pas dessiné. Ouais, il est peut-être pas à l'étage aussi, hein. Non ? Il nous a attaqué, on était à l'étage. Ouais, peut-être. Je sais pas, je dois peut-être la sortir de la salle de marche, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, la mettre dans le couloir peut-être. Bizarre là, je sais pas trop à quoi il joue là. Non, il joue avec des objets du décor, tu ferais bien de te speeder le fion. Ah, bah c'est qu'il en a après toi, donc crucifie dans les mains, mon petit. Déjà. Bah alors, il se passe quoi ? Bah, il a pas dessiné. Ah bon ? Non, il a pas dessiné. Il a pas dessiné. J'ai et MF, moi. Il a pas dessiné, visiblement, il en a après Cobra, donc bizarre. Ah ouais ? Cobra, t'as encore ton crucifix ou pas ? Ouais, il a encore, ouais. Alors, vu que tout à l'heure il a trigger le dots ici, est-ce que je poserais pas la caméra là des fois ? Bah, tu peux si toujours, mais bon, c'est bizarre. Ouais. De quoi ? Ça va marcher en haut, peut-être ? Faut poser le chevalet ici aussi alors. Donc faudrait mettre... Ouais, parce que moi mon MF finalement il a pas été si précis que ça hein, il me disait... Ouais, oh, électrofoutre, je vois rien. Bah garde-le ton MF dans les mains là, parce que ça peut nous dire si jamais... Mais dans je l'ai pas, je l'ai... Attends, j'arrive, bien. Je l'ai posé. Et du coup, vu que je devais prendre la pilule, bah j'ai posé le MF quoi. Bon bah je vais aller le reprendre. Bizarre le bazar. Quoi toi ? En arrière, ça fait chelou sur la cape, ça fait... Bizarre le bazar. Oui MF, c'est bon, je l'ai récupéré. Il est juste venu me crier dans les oreilles. En mode Ouais mais je sais pas si ça veut dire vraiment qu'il est pour toi tu vois. Mais j'arrive pas à changer la cam encore, c'est un sketch. Et plus de pilule. Moi je suis le prochain à mourir. Ah, non moi c'est moi qui la cam, la pilule, elle a été éteinte hein. La cam je l'ai sur... Merde. Bon, alors ah, ah, c'est parce qu'il a sur lui alors qu'on est ici ou pas. La cam je l'ai sur moi. Non ici on peut pas. Bon, on y retourne. Allez go. Allez, go. Bah là, logiquement, il a devoir avoir dessiné. Je l'ai sorti, même la toile, là. Il fait un effort, le fils 2. Le fils 2. Bon, on va voir, hein. On va voir. Philippe, pas un bordel de merde. Tu nous enquiquines, là. Philippe, Philippounet. Philippe, on va se battre, toi, hein. Eh, Bébou, t'as pas un. Elle est où, la toile? Un contre un, garde. En haut, salle de bain. Ah, mais elle est pas en bas. Je croyais qu'on devait la mettre en bas. Bah on l'a mis au lieu de l'attaque quoi. Ouais. Mais du coup on sait même pas Ah non mais ouais, c'est là pas je vois pas trop de dessin là. Ah mais ou alors essayons de la mettre en bas comme me disait tout à l'heure non. Je sais pas, on l'a mis dans la salle de bain déjà ou pas? On va fermer la porte à la gueule. Super. Ah bah super, franchement je veux dire merde avec la lumière en bas. Pas moi. Y'a que toi en bas. Y'a que toi en bas, on est en haut nous hein. Bon. Ouais mais c'est en bas donc faut le mettre en bas le chevalet. Prends le chevalet, tu peux le prendre ou pas le chevalet? Je peux pas. Non, je peux pas. Ah tu poses ta poupée vaudou et puis tu le prends. Non. Pose-moi cette saloperie. Non. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi hein? Putain elle a 4 ans, je vous jure elle a 4 ans. Oui. Tu poses ta poupée vaudou, tu prends le chevalet, tu viens reprendre ta poupée, tu casses pas les couilles. Non. Prenez le chevalet s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, c'est fait. Moi j'ai garde ma poupée. Elle est bien ma poupée de la même main. Oh. Oh. Je te à l'oreille, ce con. Parle dans mes oreilles. Il vient de me parler aussi. Il vous sursure des petits mots doux. Je crois que j'ai trop bu, je m'allongeais un peu, je reste en lurk. Yes, pas de problème ici. Non, mets-le plutôt à gauche là, dans la salle à gauche. Dans la salle à gauche. Je vais mettre la caméra là où derrière. Était, là. Ouais. Ici là. Hein là-bas là. Là, prends le chevalet. Et dans la salle au fond là-bas. Attends, tu peux l'éloigner un peu? Éloigne-le un petit peu. Mets-le plus vers le meuble du... Non, regarde, hop. Non, pas ici. Plus là. La cam. Essaie de le tourner vers le... Ouais. Ouais, c'est bon, on devrait voir. Attends, je vais reprendre la cam. J'ai deux là. Ouais, donc il est quelque part là. Il se bat ce couillon là, mais il est où là? Oh, vas-y. La visite de ta maison là. Mais il a pété la chaise. Oh là là. Moi, j'ai entendu des gros bruits. La porte! Cobra! La porte. Cobra, t'es où? Il a un crucifix! Cobra, crucifix! Cobra, crucifix! Crucifix, Cobra! Sors ton crucifix!
Ouais. Ah, c'est il bon. Il a des cornes, le monsieur. Il a des cornes. Je te conseille de t'arrêter dedans très longtemps. C'est des bébés avec des cornes. Un bébé avec des cornes ? On a plus de crucifix là. Il t'a fumé le crucifix du coup. Dans la merde. Ouais, il m'a fumé le crucifix. Ah, il est venu me faire un bisou. Qu'est-ce qu'on fait ? On le tente au pif et on se casse ? Bah attends, on va voir déjà ses lapins. Hein. Oui. Mais je suis pas sûr d'avoir réussi à le prendre avec la caméra. Je pense que l'angle de cam est baisé. Ah merde. Ah ouais, effectivement. Oula, on voit que dalle là. Bah il l'a déplacé, elle était pas comme ça la cam. Non mais regarde, si, on le voit le chevalet à gauche. Il y a rien dessiné dessus. Bah moi je vois rien dessus. Ok, il dessine. Mais t'as chevalet, ça joue peut-être. Il dessine pas sur le chevalet, putain. Attends. Attendez, on a... On va aller le secouer un peu, le Philippe, là. Et Philippe où? Ah, c'est bien le problème, c'est que Guipo et Bouillie, on sait pas ce qu'ils volent. Dessin sur toile de chevalet, c'est pas un Iblis, du coup. Ça doit être un des deux pour lequel on n'a pas d'infos, mais ça va être dur de piffer, quoi. Moi je pense que c'est un boogie. Un guipo après, je sais pas ce que c'est. Je connais pas. Je connais pas les termes. Je pense que c'est un gloopy boogie. Un gloopy boulga. D'accord. Un gloopy boulga, ouais. C'est un synthose. Je vois que ça comme explication. Parce qu'il a pas dessiné. Il a pas spécialement fait quoi que ce soit. Oui, ta soeur qui est en train de se. Ah, c'est haka. Ah, sœur, dégomme ta sœur là. Oh, elle est attaquée, elle est attaquée. Ah, elle va mourir. Oh, elle est morte, il est là. Oh, on le voit. Aïe. Elle est canée. Faut qu'elle est morte. Hein. Bah, tu vas avoir l'info dans pas longtemps. Non, là, en fait elle le trimballe autour de la pièce centrale. Alors. Continue de tourner. Continue de faire le tour du couloir. C'est ouvert. Oh, tu l'as escape. Comment tu l'as escape? Aïe. Ah, enculé. Putain, cette bébé de merde là. Ah, cette survie. Oh, comment tu... Oh, j'ai serré les fesses très très fort là. J'ai même pété, je crois. Ouais, on t'a fait courir. Les gars, je pense que c'est un bougeil. Un bougeil là. Je m'en rends. Il prend pas, hein. Propose. J'essaie de lui causer, il prend pas. Bon, du coup, on met quoi? On met quoi comme. Un boogie, vous partez là-dessus? Boogie, oui, boogie, moi. On va essayer, hein, tant pis, hein. Mais ça peut pas être un poltergeist, il joue pas avec le décor. Je l'ai tenté au pif, très honnêtement. Tac, on verra bien parce que là, du coup, non, il dit que là. La dernière fois, c'était poltergeist et jouait pas non plus avec le décor, donc. Ah bah tiens, là, le verre d'ectofoutre, il va servir. Vous voulez le tenter? Parce que là, on a plus de crucifix, on est très bas en truc, hein. Ouais, sinon, on peut se barrer. Par contre, attends, les 1, 2, 3, là, attends. Attends, j'ai une question par rapport à l'ordre là. C'est vraiment dans l'ordre ou les machins ils se font à l'arrache? Non, c'est au pif. Hein. Non, à l'arrache. T'as 3 objectifs, peu importe comment tu les réalises. On s'en fout. Ok. Parce que prenez une bonne photo du fantôme. Pourquoi elle est en sous-vêtement? Parce qu'elle sort d'un cours de Krav Maga. Parce que j'ai chaud au fion. Bah, on a une caméra, mais on n'a pas d'appareil photo. On n'a pas d'appareil photo, non? Non, on n'a pas mis d'appareil photo. Bah, donc déjà, on est osé par rapport à ça. On va le faire alors. On va abandonner, non? Non, le poltergeist, Shelly, il balance des vases, il se contente pas juste de déplacer les objets et de jouer avec les tiroirs, quoi. Il balance littéralement des items à travers la map, quoi. Bah, du coup, vous voulez qu'on essaye de faire les deux autres ou pas? Je peux tenter d'aller chercher avec l'ectofoutre et après vous allez chercher le deuxième truc, les sacs de sel. Mais là, j'ai encore pas mal de trucs, donc je peux y aller. Les machins, c'est juste qu'en mode, tu sais, j'ai pas mal de santé mentale, donc je peux y aller tout seul et je me ferai peut-être pas attaquer, je pense. Moi je suis à 15%, hein. Techniquement c'est... Moi je suis à 56, tu vois, donc je peux y aller. Techniquement j'ai même pas regardé, moi. T'aurais dû prendre ton EMF.
Ah mais je l'ai... posé. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je l'ai foutu où mon EMF? Attendez, j'y vais, joinez pas tout de suite. Attends, je crois qu'il est il est dans la salle, non? Où j'ai pris oh. Le... Oh ah non. Fils de chien. Putain, tu m'as fait peur. Mais c'est lui là, espèce d'ordure. Attaque. Salut ma petite licorne, comment tu vas? Quelle ordure. Devinez ça... qui vient de lancer une nouvelle oh. Partie de Skyrim. T'as cédé quand même, hein. Salut Backdoor, comment tu vas? Je te mets une mitre. Oh. Ah, hein, il c'est a, quoi ce il, bruit là il a réussi quelque chose, il y a un objectif qui a été rempli. Les faut sac de sel, ça se voit comment? Ouais, d'accord, ok, ouais, super, super, merci, au revoir. Fais-les, ouais. Non, mais arrête avec cette porte. Il vient de me roter dans les il vient de me roter dans les oreilles, hein, mais quelque chose de concret. Hein. Ah. Bon. Donc toi, ça veut dire tu rentres pas? Ah oui, moi ça veut dire je rentre, je déclenche une chasse. Hein. Alors, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai eu deux sacs de sel, ceci dit. Sur combien? 3. Je sais pas, je crois que c'est 3, non? 3. Ça ressemble à quoi du coup enfin, moi il vient de me roter dans les oreilles. Hein. Mais je l'ai pas vu assis alors que j'avais l'électrofoutre, donc je sais pas pourquoi. Et tu l'as. Est-ce que tu l'as vu déjà on ou a, pas on a eu la musique, on a eu la petite musique là de l'objectif réalisé. Hein. What? Oula. Ah ouais? C'est quoi ce bruit? Il vient d'exposer un truc là. Je vais voir. C'est pas le fauteuil, tu sais, dans la salle où il y a la télé là, qui l'a déplacé peut-être? Oh, ça ferait moins de bruit que ça. T'as vu c'est bon, l'objectif Ectofoot il est rempli. Ah, Ectofoot c'est rempli? Attends, c'est rempli Ectofoot? Ouais, apparemment c'est rempli. Ah bah je l'ai vu apparemment, écoute. Ouais, il manque un sac de sel. Et puis une photo, ouais mais on a pas l'appareil photo, donc du coup on l'a dans le U. Ouais, on a pas l'appareil. Combien de santé mentale? 25. Où le sel exactement? Ça se trouve un peu partout ou... C'est des petits sacs, ouais. C'est des petits sacs, faut chercher. Pas super, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien ivre, mais bien. Mais vous avez décidé de vous faire. Attendez, mais on peut pas le prendre en photo, ça veut dire qu'on est plaisir. C'est pas grave si on le remplit pas ça. C'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on pourra pas faire l'exorcisme. Donc on va chercher le sac. En fait, la complétude des objectifs secondaires, ça nous donne de l'XP et du fric. D'accord. Donc on pourra pas faire le. On pourra pas l'exorciser, mais au moins on pourra gratter un peu de pognon, quoi. Ok. Bon, c'est bon, les plus courtes sont des meilleures à un moment donné, hein. Voilà. Ça a été drôle les deux premières fois, maintenant les 12 suivantes c'était moins drôle. Hein. Oh. Ah, tu détectes un truc? Si qui est parti. Ah, ouais. Ah, bah là il tente une chose, hein. C'est que Guy rentre. Ouais, Guy t'es dedans là. Oh là. Oh, il attaque. C'est une attaque, Attaque. Cours. Je sais pas, on est pas dedans. Je sais pas où il est. Il m'a fermé la porte au nez, je peux pas entrer. Je sais pas où elle est. Oh. Trop tard. Ah, on repose en paix. Ta gueule. Je cours. Regardez la cab. Bande de cons. Ah oui, bien. Aïe, oh là là. Ah, mais tu vas mourir. Ta gueule. Allez hop, meurs. Ouvrez la porte. C'est ouvert. Ouvrez cette putain de porte. Il a lancé une attaque, il peut pas relancer une attaque, si? Non, il y a un délai entre deux attaques. Alors, c'est ça pour vous dire que j'ai récupéré le dernier truc de sel. Maintenant, on s'arrache. Allez, on se barre. Dès lors que je l'ai récupéré, je me suis fait tanker. Non, parce que je sais pas où est-ce qu'il était, mais j'ai continué à faire mon tour, comme tout à l'heure. Donc maintenant, on s'arrache. Voilà, c'est ce que je veux dire. Putain, quel enfer. Ouais, on y retourne. Alors. C'est dingue. C'était non, pas le bon fantôme, c'était un Iblis. Mais il a jamais dessiné sur le pupitre ce schlag. Oui, il a jamais dessiné. C'est un sketch. Alors les mecs, c'est un dire que j'ai un peu partout. Hein. Tu coupes sinon. Ah, allô. Oui. Allô. Oui. Allô. Oui, alors évitez de hurler quand vous êtes sur les autres joueurs, je vous rappelle que le son est spécialisé, merci. Allô. Oh putain. Si tu veux gueuler, crois-moi que t'as perdu. Ah putain, mes oreilles, bande de cons. Ça peut être bien pire. Alors par contre, le Iblis, on l'a jamais vu. Hein, non. Bah Iblis, en fait, il était dans les choix finaux, mais le problème c'est que pour que ce soit un Iblis, pour confirmer que c'en était un, il fallait qu'il dessine sur le tableau, et ce fumier l'a jamais fait. Non, il a pas bugué votre jeu. Il a jamais vraiment eu sa salle en fait, comme il faisait des trucs partout.
Et en fait, on s'est fait aggro la première fois. La première fois, on s'est fait aggro, on était à l'étage. Après les deux autres attaques qu'il a menées, il était au rez-de-chaussée. Bah oui, c'est vrai en plus. Il a attaqué deux fois en bas. Mais ouais, enfin, du coup, c'est pour ça que t'as bien survécu. C'est parce que c'est plus long. Banshee. Ah d'accord. Ah oui. Bon, on a entendu. T'arrêtes de déranger la madame. Je lui ai passé mes salutations distinguées. Ouais. Une femme à poil dans son bain. Bien ouais. Oh bah super. Tu m'excuseras, mais elle est un peu plus vétule toi en attendant. Hein. Quoi? Elle est à poil dans son bain? J'ai une culotte. Moi, elle est pas à poil. Non mais putain, faut que t'ailles consulter toi, ça devient grave. Hein. Regardez-le, il s'est acheté un short. Oh regarde lui aussi, la moitié à poil. Y'a plus que toi en fait là, l'intrus là. Hein. Et toi, Bryce de Nice là? Oh, moi, je suis bien habillé. Ah oui, mais toi, ton petit crâne chauffe, toi, c'est bon, toi. Ah, il est vrai. Ton petit crâne, lui, c'est bon, toi. Ah, merci, tâche, ça me réchauffe le cœur. On se fait un petit Cyclone Street, là. Allez, vamos, mais ton poste, ne t'oubliez pas. Ah oui, attends, du coup, qu'est-ce que je peux mettre? Crucifix. Mais comment ça se fait, en fait, c'est ça que je comprends pas. On achète du stuff, pourquoi il reste pas la game d'après? Pas. Parce qu'il faut juste le mettre, tu sais, au cas où tu as une partie où t'es moins sûr de gagner, etc. Alors, d'accord. Du coup, j'ai remis crucifix, lampe de poche et la caméra. Voilà, j'ai remis. Yes. Ah, par contre, je suis pauvre maintenant, quoi. T'as 500 balles. Pourquoi Guy qui est en pyjama? En pyjama, mais va consulter toi aussi, frère. Mais un pyjama, mais putain, elle embrasse ses petites culottes, mais pyjama, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en slibard. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rajouté un appareil photo. C'est la constante en fait. Tout le monde a des problèmes de vue ici. C'est pas possible. Eh, c'est ton chat, hein, j'ai envie de te dire. Après tu te démerdes avec. Bah écoute, moi ils sont aveugles de mon côté, mais de ce que j'entends du tien, ils sont tous rebous donc. Bah les miens, ils veulent me voir à poil. C'est pas mieux. Pardon? Putain. Allô? Ah oui, ça gueulait à poil tout à l'heure. Il paraît que c'est méta sur Twitch. Alors. Ma petite licorne. Moi je constate qu'il y en a toujours un qui se paie pas en prêt. Hein. Ah le petit crâne chauve. Eh ben non. Même pas. Ah là. Allez go. Ouais. Attends que t'en parles. Non t'en parles. Honnêtement ouais. Pyjama, tu devrais faire un boif la même pour moi. Ouais d'accord, ok. Va falloir que t'essaies de voir des personnes de sexe féminin plus souvent que vous. Hein. Oh j'ai ma lampe, merci. Ça picote ça. Yeah. J'ai dit de voir, ça picote que dalle, j'ai pas été, voilà, c'est tout. Oh, c'est Sandra. C'est Sandra Smith. Ah non, c'est Sandra Brooks. Oh, c'est Sandra Brooks, merde. C'est presque Sandra Smith. C'est Sandra, cœur, c'est Sandra. C'est Sandra Brooks, presque voilà. Smith. Utilisez le verre d'ectoplasme pour déterminer l'heure de la mort, mettez les rats morts dans le chaudron, lire la note perdue. Bon, ça va, ça devrait pas être trop difficile. Par contre, elle répond que quand on est seul. Ah bah super. Elle est pas chiante, elle, déjà. Mais de quoi, lui? Et vous battez pas, encore, hein, les mioches derrière. Je fais une photo. Ah, moi, j'ai pris le cafard. Oh, j'ai ton gros nez, là, en gros plan, là. Paf. Là. Pif. Ah, je peux pas prendre le chevalet, du coup? Nope. Ah, j'ai que ma lampe et mon cafard. Pardon, je vois trop de personnes de type féminin, y en a trop. Ah, tu dois pas avoir les bonnes, alors. Quelqu'un a peut-être deux lampes, vérifiez. Ah, c'est peut-être moi alors. Tout le monde a sa lampe ou pas là, vous trois? J'ai trois items. Pas. T'as pas de lampe, Cobra. Je suis puni. Ah, c'était geek. Non, mais d'accord. Sorry. Là, ah, du coup, je prends le chevalier. Moi, je dis quand même qu'il y a une question légitime. Où est-ce que Cobra et Geek rangent leurs items? Dans ma culotte. Voilà, dans ma culotte. Il y a assez de place, hein, tu le vois pas derrière mon cul. Hein. Ah, c'est donc pour ça que t'as voulu prendre deux lampes. Très bien. Alors. Voilà, on est carrément fion. Exactement. Je les ai confondus avec le thermomètre. Désolé. À quoi c'est direct à l'étage. Hein. Alors ici, ouais. ici, ça a été la première fois qu'on est venu là. Ça a été le théâtre d'opération des sales bails. Hein. Sandra... Les portes, là. Non, c'est nous qui ouvrons les portes. On est en haut. Ah, c'est moi. Non, mais en bas j'en ai entendu. Sandra Smith. Cobra, t'es où? Viens dans la salle de bain, viens faire mes muses. Tu vas démolir le miroir. Tu sais ce qu'on fait avec ça? Bloody Mary! Blanc, hein? C'est trois fois! Bloody Mary! Ça marche pas. Ta grande tante! Ça
Oh putain. Oh merde. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Taras. Eh, tu te fous ma gueule, le miroir? Ah, je sais pas, il y a... Ou Bloody Mary. Marie? Bloody Mary? Marie. Blood. Di. Bloody Mary. La compte ta sœur. Oh merde! Ah, c'est bon! Ah. Y a The Grudge qui est sorti. Je suis parti, mais j'ai pas pu voir! Non, il s'est rien passé, c'était pas ici. Hein. C'était pas ici. C'est The Grudge qui est sorti de la pas télé. Ici. Parce que j'ai deux. J'ai deux. Il a ouvert la porte. Tiens, regarde, Cobra, là. Là. Attends, viens là. Je le suis. Viens te battre. Oh, enfoiré. Il attaque. Non. Ferme la porte. Bâtard, ferme la porte. Oh, attends. Putain, je vous déteste. Pourquoi vous avez laissé la porte ouverte, bande de... Vous avez ouvert vos gueules, fermez-la quand on est en pleine chasse, bande de cons. C'est marrant. Dans ta mère, voilà où je suis mort. J'avais le crucifix, pourquoi t'es pas venu vers moi? Mais parce que j'étais dans un endroit safe où personne pouvait me voir. J'avais éteint ma torche, mais vous avez gueulé comme des putois, bande de connards. Regarde où j'étais là. Regarde, intestable derrière la porte, introuvable. Et vous avez gueulé comme des. Bon, on a perdu le. Bonheur! On a perdu l'élément perturbateur. Allez. Elle est sortie d'en haut du coup. Je sais pas, je l'ai même pas vue. Je sais pas où est-ce qu'elle était. Je l'ai même pas vue. Il est dans la chambre là du coup. Là, dans le placard. Mais ah, du coup, moi, vous inquiétez pas, c'est pas une grande perte. Est-ce qu'on peut prendre ce cadavre? Ah, t'as l'ectofoutre sur le mur? J'ai l'ectofoutre ici, là devant moi. Ta mère suce des bites en enfer. Donc du coup, c'est tâche d'ectoplasme. Ouais, super, ouais. Ah. Wow, le fantôme. Quoi, t'as quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, viens là. T'es où, là? Viens, là. Ah, tu te caches, hein? Ah, tu te caches, hein? Qu'est-ce que t'arrive, là? Eh, toi, j'ai te goumé. Heureusement que t'es déjà mort. Je vous emmerde. Ah. J'ai trois. Tu vas crever. Merde. Tu vas crever. 4. C'est ici? Non, c'est dans ton cul. Ah bon? Putain, j'ai réussi à avoir un fantôme dans mon cul. Oh, il y a un petit jardinet, il y a une terrasse et tout, j'ai jamais vu. Trop bien. Alors, par contre, je vais aller chercher d'autres objets, moi. Oh, ce drift. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce drift qui est fait en arrivant? Incroyable. Il a fermé sa gueule, lui. Ta gueule. C'est qui qui parle avec cette voix de chiasse? T'as quelque chose à dire? Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Sa douce voix, on la kiffe. Hey Sandra! Where are you? In your ass. Mais tue-le, wesh! Mais il est déjà mort, je peux pas le tuer! C'est lui qui. Ah, maintenant je vais pouvoir être insupportable et vous faire chier tout le long du reste de la game! Putain, il va me hanter le cul! Oui! Quelle pièce qui était hantée? Mais pourquoi t'as mis tes lunettes comme ça, Sébastien Follin, là? Ne parle pas. Alors, on a posé. Maintenant. Non mais Cobra il a fait. Cobra il a sorti le. Il a sorti le starter pack Sébastien Follin, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Quoi? Cobra il a sorti le starter pack Sébastien Follin, t'es mal les lunettes, quoi. Oh oui. Comment ça va? T'es mal les lunettes ou est Charlie, quoi? Oh, j'ai 4 là! Vous allez tous crever! Putain, on a deux fantômes à gérer, mais un con et une conne! Allez! Imagine, hey, Sandra! Sandra, ils sont là! Oh, regarde! Regarde dans le mur, on voit son panard à lui là! Ah! C'est pas le pied! Talk to me! Putain! Sandra! Fuck you! Sandra Brooks! Attends, t'avais trouvé les empreintes? Ah oui, mais non! Non, mais il répond qu'à une personne seule! Il fait flou! Sandra! 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 Nique-les tous! Nique-les tous!
tous. J'ai le fantôme. À commencer par elle, là, c'est là. Et après Sébastien Follin, là, hein, Sébastien Follin, voilà. Et puis le skinhead, là, voilà. Si jamais il y a la lampe à UV devant, juste devant la pièce, là. Ouais, mais du coup, Sandra, elle répond uniquement quand on est seul. Regarde, Sandra, elle répond que quand on est seul. Regarde tes mains, moi je vous parle partout. Ah, voilà. Sandra. Ah, bah c'est gagné. Sandra. Elle a répondu. Ah. Ah. Elle a répondu. Ah bon. Donc c'est EMF. Ah, elle non, pas EMF. Et fermé. Migling, Shade ou Gipo. Ah. Cobra. Tu vois l'appareil photo devant toi? Oui. Là, sur le mur. Là, il y a un appareil photo sur l'étagère. Il y a un mot à gauche. Smile. 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 Mais spam pas, connard. Voilà. Smile. Mais même oh, j'ai deux, là. Mais même en vocal. même en vocal, il spam, lui, c'est terrible. Ça ne peut pas être EMF et empreinte digitale. J'ai pas. Ouais, parce que j'ai pas de EMF5, ça monte à 4. Je crois que je fais pas. Ça peut être ESG, chevalet ou. Rotule. Ah. Ça peut se retuer, hein, fantôme. Ah. Bah alors. Voilà, par contre, Caro. Moi, je me casse. Allez hop. Ah, ici Sandra, je viens pour vous annoncer que vous allez tous crever. Et je m'en fous, tu peux les tuer, moi je suis dehors, on bat les couilles. Vous allez tous canner. Elle s'appelle Sandra comment? Sandra ta mère. Sandra Brooks, manifestez-vous. Pas trop Sandra fort. Brooks, donnez cette tasse. Sandra, pète pas trop fort. Sandra, fais le ménage. si tu cherches Sandra, moi je sais où aller. À la cuisine. Wouah. Sandra, into cuisine. Salut. Ah, super, hein, super, des notions d'anglais, incroyable. Sandra, où are you, hein? Bon, moi je vous annonce que je prends la bagnole et je me casse, hein. Salut. Hein. Sandra. Oui, bah bien sûr, un fantôme ça conduit ça? Bah, un fantôme ça jette des vases peut-être aussi? Bah alors, bon. Eh, attends, on n'a pas trouvé l'objet maudit, je suis en train de penser là. Ah. Vous avez des nouvelles de votre mate? Je crois qu'il est mort. Hein. Mais il est où? Bah, il est mort. Non. Si. Et non, mais c'est pas une attaque? Mais il est mort. Mais comment ça, il est mort? Ouais. Mort. Il est mort. Et non, mais on est tous là. Mais non, mais t'es, raconte, c'est, si tu le vois aussi, c'est que t'es morte. Voilà, c'est pour ça. Oh bah super. What? Ici, la mort. Sa gueule, le fantôme. Ta gueule. Elle va être compliquée à poster sur YouTube, celle-là, quand même. Hein. T'as pas envie de te battre contre l'autre fantôme? Je sais pas, ça sert à quelque chose, non? Bah écoute, hey, Sandra, t'as Sandra de ses morts, là. Elle parle que quand vous êtes là. Regarde, moi, je vous parle tout le temps. Ouais, moi je suis là. Mais je suis un meilleur fantôme que ta Sandra de merde là, qu'est-ce que tu me dis toi? Tais-toi. Et... Ah. Mais toi tu nous hantes pas, tu nous casses les couilles. Ah bah c'est une autre forme de hantise. En fait. Ah. Ah bah regarde, quand je lui dis de faire le ménage, elle mais le elle fait. Est là, hein. 4. Ouais super, elle ferme les tiroirs quoi, gros ménage. Mais moi elle m'a répondu à côté. Parce qu'elle est con. Ça se trouve c'est une blonde, hein. Ouais, je crois qu'il y a longtemps que t'as pas vu ta tête dans un miroir toi. Je suis pas blonde moi, je suis à moitié bleue et violet dégueulasse, délavé. Ah, super, voilà. Super la schtroumpfette, ouais, c'est super la schtroumpfette, c'est super. Oh le chétan, tu te manifestes Sandra, Sandra c'est ici que ça se passe, ils sont en haut là, ils sont en haut Sandra. Ils sont en haut. Joie ils sont en haut. Tu es la plus, t'es plus grise niveau cheveux, ah ouais smile, ah, putain je suis une vieille peau. Smile. Voilà. Cheese. Smile. Connasse. Oui. Ah, putain. Ouais, celle-là va être compliquée à mettre sur YouTube. Hein. Va falloir biper toutes les deux secondes là. Quoi? Comment ça? Ah ouais, d'accord. Ah merde. Bon Sandra. Putain. Hey, where are you? Sandra, tu vas baiser tes morts. Ah bah, elle est bien, pardon, disons que dans sa situation, elle est bien engagée. Hein. J'essaie de déclencher une attaque. Alors oui, par contre, je suis désolé, par contre, j'ai oublié de vous prévenir, depuis ce matin, Comrade est dans un mood, il dit les termes. Hein. Voilà, c'est... Ah, puis il dit bien. Bon, Sandra, are you au tepu? Pourquoi t'as des yeux qui brillent dans le noir, toi? Moi? Bah ouais. Eh mais j'ai l'impression de voir Mystique des X-Men, quoi, c'est incroyable. Hein.
Oh yes. Faire mumuse en bas avec les lumières. Sandra. Attendez, c'est vous qui avez éteint la bougie ou pas? Oui, c'est moi, j'ai pété dessus. Oh, j'ai 4 là. Oh, j'ai 4, sa grosse mère. J'ai 4. Attends, pourquoi j'ai de la fumée? Attendez, j'ai de la fumée, c'est température glaciale, non? Oui, c'est température glaciale. Bah, il y a température glaciale. Oh, sache. Elle chante, elle est là. Non, mais il y a une température glaciale là. C'est un milling. Voilà, il y a une température glaciale parce que j'ai eu de la brume. Alors, tu chantes très mal, hein, vraiment. Tu m'as cassé les oreilles. Scooby-Doo, where are you? Oh, j'en parle même pas du deuxième. Hein. Ça va. Donc, c'est quoi? C'est un milling. Comment il pulse, c'est une fantôme. Bon, on essaye de faire les trois autres ou pas? Vous êtes des merdes, vous m'entendez? Quoi? Oh, ta gueule, t'es mort. Ouais, mais on t'aime bien quand même. Ah, il est calme s'il y a du feu autour de lui. Eh bah, foutez le feu là-bas. Donc, il y a du s'il y a la bougie. Eh, mais on n'a pas trouvé l'objet maudit du coup. C'est de la merde, ça. Moi, je voulais m'amuser, moi. Alors, c'est lire les notes quoi? Les rats morts et le l'ectofoutre. Bon, les rats. Les rats? Où est-ce que vous êtes? Allez, hop, c'est parti. Ah bon? Les rats. Je sais pas où j'ai posé l'ectofoutre. Dans mon cul. Ah, mais c'est pas très bon, toi, le rat. Nous sommes à la recherche de rats. Eh! Ah! Ah! Elle attaque! Nique ta grosse mère! Elle attaque! Vous allez crever! Oh! Je comprends pas, elle est adorable! Elle est magnifique! Oh, elle est magnifique! T'es morte! Au revoir! Nique sa mère! J'ai plus comment on s'accroupissait! Chier! Elle est canée! Ah là, sur mon corps, prenez-le! Alors, elle a une dégaine incroyable par contre. Hein. Nique sa grosse mère. Eh, Cobra. C'est insupportable ça. Allô. Note perdue. Vous pouvez m'aider à trouver les notes parce que là, moi, le rat il est à l'étage. Ah, l'autre collabo là. Venez à l'étage, y'a le rat. Tu parles de qui? Oh, il est vivant, venez à l'étage. Qui c'est qui reste vivant? Y'a le rat en haut. Allez dans la première. Et qui t'es mort? Elle ouvert. Eh oui, elle est morte! Elle est morte! Elle est morte! La pièce là. Ah. Voilà. Ah, ouais, merci. Ah, au geek, tu sers à quelque chose comparé à ton frère. Il est où le chaudron? Eh, il pue le seum. Ouais, il sert à rien, mais waouh! Eh, fous-toi ton crucifix dans le cul pour te le. Il est dans le salon. Eh oh! Je suis mort, je m'en bats les steaks! C'est bon, y'a plus de rats à l'étage? On va te faire exorciser le trou de balle avec ton crucifix là! Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai eu. Du coup, tous les rats ont été trouvés ou pas? Non, mais je sais pas où est le chaudron. BOUM! Ouais, mais encore. Là, regarde, dans la. Cherche le rat. Tu peux pas m'aider à trouver là au lieu de faire des conneries? Bah non, j'attends de voir si elle te saute dessus. Ah! Ah. Je vois rien. C'est con que tu puisses pas voir à travers les murs, que tu puisses pas. Les notes perdues, ça ressemble à quoi? Ah bah, c'est pas des notes qui sont trouvées. Eh, psst, Cobra, regarde, je te donne un indice dans cette pièce. Regarde, stop, arrête, demi-tour. Regarde là, dans le coin, là. Regarde dans le coin. Limbo. Non. Ah oui, ah ça tu peux. Limbo. Limbo! Spam pas, doucement. Vas-y. Limbo. Est-ce que ton micro il coupe? Parle distinctement, ton micro il coupe. Limbo! Bon bah. Là, tiens. Bon là, attends, c'est pas ça que je voulais te montrer. Regarde là. Là, t'es en train de l'éclairer là. Voilà, t'es. Ah! Putain, elle a l'air d'être énorme sa mère. Elle est en bas, hein. Je sais pas où vous êtes, mais elle arrive. Hein. Elle est où là? Par là? Ah bah nous ici, c'est chill, hein. Voilà, c'est coucou. Ah non, elle a disparu. C'est bon, c'est fini, je crois. Ah, elle a disparu. Elle est arrivée là. Hein. Ah, Cobra, t'es le prochain. Ouais, parce que là, elle était dans le couloir, elle était descendue.
Et elle a disparu là. J'ai donné à Cobra. T'as du bol. Il reste combien de rats là? J'ai donné à Cobra la. Non, il y en a plus, tout a été trouvé. En fait, il faut juste maintenant déterminer l'heure de la mort du fantôme, mais il faut l'ectofoutre que. T'es chiant, fallait pas lui dire depuis. On a perdu. Depuis tout à l'heure, je le promène dans la. Depuis tout à l'heure, je le promène dans la maison pour pas lui dire qu'il y avait tous les rats trouvés. Mais c'est une merde. Par contre, je lui ai donné la poupée vaudou. Oh yes! Elle était en bas du coup la poupée vaudou? Ouais, elle était bien cachée en bas à côté de Limbo. Putain, je m'en doutais. Par contre, on a perdu l'ectofoutre et il ne manque plus que ça pour avoir l'heure. Ah, tu l'as? Mais je cherche le truc. Ah, moi je vais coller Cobra, moi j'ai hâte de voir sa mort en direct. Dans le jeu bien sûr, dans le jeu. Ouais. Et vous êtes où là? Ils sont pas là hein. Imagine, il est parti par la fissure dans la bibliothèque. Zato! Yeah. Cobra a mangé quoi pendant ses vacances car elle a l'air violent? Ah mon cul. Vous êtes là? Vous êtes en bas? Mais je trouve pas la preuve. Ah. Ah bon? C'est quoi? C'est genre, on doit trouver une preuve de l'UASI, un truc comme ça? Mais non, faut déterminer l'heure de la mort. Non mais il faut d'abord terminer la preuve pour ça. Mais, quelle preuve? Trouver avec l'ectofoutre un mec assis. Ah bon? Ah, c'est compliqué là. T'as utilisé ton crucifix? Je reste à côté de toi, t'inquiète. T'as utilisé ton crucifix? On est tous là. Non, tu l'as. Bah attends, faut que j'aille lire la preuve parce que je sais pas exactement ce que c'est. Imagine, on va tout réussir sans eux, ils sont nuls. Ouais, ils sont tous morts les. Allez, prenez pas le somme comme ça, je suis mort à cause de vous au début. Ouais, c'est ça. Utilisez le. Pour déterminer leur. Ah! Mais comment on fait ça? Je sais pas moi. C'est Ray qui l'a fait la dernière fois ça. Hey, s'il te plaît. T'es avec nous? Faut trouver une pendule et maybe faire un truc avec. Vas-y, laisse bien ton pote tout seul ici pour qu'il aille crever solo dans la maison. Bonne idée ça, bonne strat. Ah mais. En plus c'est toi qui as le crucifix, bonne strat hein, bravo. Et ah. Bon ça chante. Ton mate est mort. C'est vrai? Eh, Majin. Il raconte que de l'AD. Majin, sache qu'il a quand même fallu que je rappelle à Cobra qu'il avait un crucifix, qu'il fallait qu'il vienne t'aider parce que sinon t'étais tout seul dans la maison pendant que Stordio était dans le camion, quoi. Mais non. Dans le camion, il était Stordio. Dans le camion, vraiment, quoi. Il t'aurait. T'aurais laissé crever ici, quoi. Super, hein. Est-ce que Ray est sur le chat de Monsieur Home? Ah! Il jouait avec le placard. Eh, j'ai entendu une porte, ouais. Par contre, Maggi, il faut faire quoi? Je comprends pas en fait. Bah, il faut trouver l'ordre, déterminer l'ordre de la mort du fantôme, mais je sais pas comment. Apparemment, c'est marqué. C'est marqué sur un mur. Sur un mur? Mais j'ai fouillé tous les murs de la maison. C'est une heure marquée sur le mur. C'est marqué en gros ou en rikiki là? Parce que vu qu'on a pas de torche, nous, on va que dalle. Hein. Ah, mais ça, c'est la liste de courses, qu'est-ce que. Oh, c'est meurt, hein. T'as, regarde, non, Cobra, là, Cobra, ici, regarde. Je suis sûr que l'indice est dans ce four à micro-ondes. Ah, mais quel con! Non, mais il faut l'ectofoutre pour le voir de toute façon. Eh ben, prenez-le. Ah putain. Disons que moi je suis doté d'un certain problème qui fait que je peux pas saisir les objets, bande de nazes. Eh ben, moi aussi, hein. T'es dans la salle du limbo. Pff, rien à foutre, pas mon problème. Moi, je cherche pas. Bah là, y a une horloge là. Y'a rien là. Pas la même heure? Mais on voit rien en même temps. Ah, mais il faut l'ectofoutre. Et tu l'as pas! Je sais pas si c'est. Oh, ça me fait chier, putain! La maison elle fait 10 km? Bah ouais, et puis même nous on sait pas à quoi ça ressemble du coup. Ouais, je vais me faire un café, moi. Imagine, là y'a une horloge. Et ça fait rien du tout. Enfin, le réveil, non? Ouais, ça fait rien. Apparemment, c'est sur les murs qu'on doit voir. Va prendre une pilule, en reste, on a pas pris. Le niveau d'enquêteur Scooby-Doo, il est incroyable. Hein. Eh, les morts ils parlent pas. Ouais, ah. Bah en attendant, on a plus rien à craindre, nous. Hein. La logique, t'es mort. C'est vous les merdes là-dedans. Mais hein. Les lumières dans la maison parce que là on voit que dalle. On peut pas vous aider. C'est le but, c'est le but. Du ah, un cadavre. Toi, je vais te goumer. Laisse mon cadavre tranquille. Ah, y a plus qu'à faire comme dans Phasmophobia qu'on puisse désacraliser les cadavres. Hein. En vrai, va prendre une pilule dans le camion. Non, prends pas. J'ai déjà pris. Ah, tu l'as prise. Juste avant de venir, je l'ai pris. Ils vont tous crever. Bien, là. Ils vont tous. Si je le vois pas, je te le donne. Ils vont tous scanner, ils vont tous scanner. Ça a causé là. Sors le crucifix. Ça a causé. Non, c'est encore trop haut, merde. Viens,
que dalle. Et c'est la note. Bah, je vois la tâche d'Ectofoot que j'ai vue tout à l'heure. Ah, il y a de la musique. Ah, c'est toi ? T'es sûr ? Non, mais il y a une musique là. Ah. Putain, oui. Ah. Ah. Non, mais à l'attaque. Ah. Non, la porte d'entrée est ouverte. Ah bon ? Il y a des traces d'Ectofoot, mais j'ai pas d'heure de mort. Ah. Do you fun quoi ? Destroy quoi ? Ah, elle a causé là. Cobra, moi, il y a une excellente strat si vous voulez vous sortir de là, c'est la poupée que je t'ai donnée tout à l'heure. Bon, non, ça déclenche l'attaque. Ah non, tant que tu touches pas le cœur, c'est bon. Ah oui ? Moi, je l'ai fait trois fois tout à l'heure. Oui, mais ça va pas nous avancer. Bah si. C'est pas drôle, peut-être dans la salle de bain, non ? Bloody Mary, bah, Bloody Mary, pas, Bloody Mary. On peut pas le tricher. Bonjour, dis ta mère. Ah. Ah, je crois qu'elle est dans la charpente. Prends l'Ectofoot à terre. Je pense qu'elle est dans la charpente. Tu fais que tu restes appuyé sur clic gauche et normalement t'es censé voir des trucs. D'accord, ok, bah tu me protèges avec le crucifix. Ah, elle devait travailler en maçonnerie, je pense, ou elle devait être couvreuse de son vivant. Et en fait, moi j'ai vu les traces d'Ectofoot, mais j'ai pas vu de d'heure de la mort. Oh, ta race de putain arche. Oh. Ah, il fait flou. Oh, le salaud. Les termes, madame, les termes. Il m'a fait peur, ce couillon. Ce couillon de la lune, là. Couillon de la lune. Je sais pas si je joue un Kadjit ou un Argonien. C'est dehors de la maison, je crois que tu vas rien y trouver. Allez, je vais pas être un enculé. Vous avez lu la note perdue ou pas ? Oui. Bon, bah finalement, je vais être un enculé. Pourquoi ? Bah, je l'avais trouvé la note perdue et je pensais qu'il l'avait pas trouvé, moi. Vu que je suis allègrement, vu que je suis allègrement allongé dessus. Attends, y'a quoi ? Y'a des trucs qui claquent là ? Ouais, c'est des portes de placard, ça va, c'est le vent, ils ont qu'à fermer les portes aussi là. Ouais, j'ai regardé s'il y avait des trucs expliqués. C'est chiante ! What ? Et je te jure que cette maison est trop grande, c'est trop dur de voir l'ordre de la mort. Bah sinon tant pis hein, mais c'est dommage quoi, on arrive juste pas trop. Oh, bah c'est con ça hein ! Ça peut être parfait pour le plafond au départ. Bah, je pense pas, enfin c'est l'info de chat. Ouais, moi je mets Netflix hein. Bon bah moi je vais faire couler un kawa hein. Hii. Et putain, Arch, je vais te goumer toi. J'ai un inconnu qui vit une aventure parallèle là. Si tu peux, ah, rien, mais t'arrêtes pas de me faire mais... peur dans le chat là. En de sale mioche. J'ai regardé toutes les maisons deux fois donc Aime les chiottes. Aime les chiottes. Putain. Hein. Y'a eu des... Mais non, on a rien vu sur les murs hein. Vous êtes sûr sur les murs ? Mais nous on peut pas, il faut les toschlag là pour le voir là. Allez, moi je... Le chat de Guy a dit donc faut s'y fier. Ouais, c'était marqué. Un mur, allez, c'est foutu. Ouais, tu les coups hein. Regarde en haut là si jamais. En haut de la cage d'escalier là. Putain, Q. Juste au-dessus de la porte peut-être, on sait jamais. Je vais vous goumer un par un, je vais vous mettre en ligne, je vais vous savate. Le pire c'est que j'ai peur pourquoi là, moi je suis déjà morte. Je devrais plus avoir peur. Putain. Moi je joue une Breton là actuellement hein, dans Skyrim. Hein. Pire classe. Je joue une Breton pure souche dans Skyrim vu qu'ils ont une résistance à la magie déjà de base. Ça m'arrange, tu vois. Bon, du coup, on se le. On n'est pas contente. C'est énorme. T'as écrit sur le sol ou pas ? T'as loupé un P. Bah, je sais pas, je te dis. Quoi ? La baise ! Quoi ? Non, rien. Non, rien. Ok. T'es parti où, toi ? T'as déjà fouillé là-bas, normalement. Du coup, c'est plus je te pète la gueule, je te pète à la gueule. C'est ça ? Attends, remonte, viens avec moi. Oui. Viens voir.
Regarde à quoi ils viennent d'échapper là. Oh non. Regarde. Oh non. Elle a retourné tout l'entrée. J'étais en train de la suivre en fait. Et elle a disparu, elle a déposé oh juste devant toi. Non, non, rien. Non, mais vous rien, avez eu bien, un co. Comment on s'en fout, on a des crucifix. Ah, mais là. Le cul, quoi. Eh ouais, eh ouais. Nick. Hein. Ne nous a pas loupé, saloperie. Bon, du coup, Batos, l'heure. Par contre, elle a une de ses chevelures, on dirait Radahn d'Elden Ring. Hein. elle a la coupe à Radahn. Hein. Elle, le ghost là, elle a vaincu Radahn dans Elden Ring. Elle était chercher sa coupe auprès des deux doigts. Hein. Voilà, vous abandonnez, bande de merde. Nul. Ah mais non mais on a retourné toute la baraque hein. Yes. Au moins c'est le bon type quoi. Mais type de fantôme ouais. Mal détecté, je suis mort. Bah non, on a pas mis tous les rats si. Ah si. Ah si. Ah si, t'as le bonus. C'est bon. T'as le bonus. Ah d'accord, c'est ce qui est barré qui est pas validé, d'accord. Je vais vous goumer un par un dans le chat. Je vais vous goumer si vous touchez. Pardon. Tiens, bah y'a la baignoire là, Banshee. Je vais laisser la place pour Ray du coup. Vachement à poil hein. Du coup, faut remettre les objets. Je vais te laisser inviter Ray. Ah, très bien. Eh bien. Donc, comme ça, vous pourrez tester les nouvelles maps. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Eh bien, regarde, je vais même en profiter. Regarde, on va faire même mieux que ça. Ah. YouTube. Ça y est, c'était les premières vidéos, la première vidéo d'intégration de Cobra. Maintenant, même nous, on va partir à la découverte de nouvelles maps puisqu'on n'a pas accès aux maps au-dessus à partir du level 10 et level 15. Prochain épisode pour vous YouTube. Des bisous. Au revoir.